Donc voilà, je viens de terminer de remonter le charbon sur le moteur. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc voilà comment ça marche, hein, ce moteur. Vous avez en haut ici, ça c'est ce qu'on appelle le tachymètre. C'est là qu'est prélevée l'information vitesse du moteur et qui est renvoyée ensuite à travers ce connecteur vers la carte électronique de la machine. Voilà. Ensuite, là, vous avez l'alimentation de chaque balai qu'on appelle les charbons sur le rotor, donc de part et d'autre. Vous voyez ici, et puis là. Et ensuite, donc c'est renvoyé, ces deux fils en fait, c'est renvoyé sur l'alimentation du moteur à travers ce connecteur. Voilà, je vais vous montrer aussi à l'intérieur comment c'est fait. Voilà le connecteur. Qui accepte les fils pour alimenter le moteur. Donc ça c'est directement ensuite relié sur la carte de la machine, la carte de puissance, hein. Donc je vais maintenant installer tout ça et puis on se retrouve après.